Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tiroir beauté du mois de décembre, le dernier de l'année 2019. Donc, j'ai utilisé pas mal de petites choses, tout est devant moi posé ici. Donc, on va commencer avec toute la partie soin, hein, sans plus tarder. Comme d'habitude, tous les produits que je trouve, que je peux trouver en lien sur internet, je vous les mets en barre d'infos, donc tout est en barre d'infos en général. Donc, on va commencer par la partie soin. Donc, je vous en avais parlé sur Instagram, d'ailleurs, je vous les ai fait gagner, j'en ai déjà parlé aussi dans un vlog. C'est les produits de la gamme Saint-Gervais Montblanc, qui sont des produits made in France. Donc là j'en ai trois. J'en avais déjà testé un au niveau de la brume d'eau thermale pour cet été qui était vraiment très agréable. Et là j'ai eu la chance, enfin la chance. J'ai reçu donc un trio que je vous ai fait gagner sur Instagram. Il y avait un gommage, donc ça c'est celui qui est dans ma douche actuellement pour le visage. Il est super doux. C'est un doux gommage thermal, donc c'est celui-ci. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon. Ce sont des produits made in France. Ils sont pas très chers en plus, je trouve, et ils sont vraiment efficaces. Donc ils lissent, purifient, ravivent la peau. Ils sont hypoallergéniques, sont même pour les peaux sensibles. Donc ça, c'est top. Le grain de celui-ci est très fin, donc vous pouvez l'utiliser deux fois par semaine sans problème. C'est un 50 ml, il faut pas beaucoup de matière. Donc moi, j'utilise essentiellement sur la zone T où j'ai des boutons, bien entendu. Ensuite, on a ce masque-là qui est un masque réhydratant, donc je le fais une fois par semaine, puisque là on est en hiver, il fait froid, on a la peau un petit peu qui tire. Et en fait, c'est un masque que vous pouvez utiliser de deux façons. Soit vous l'utilisez en masque comme il est, vous le posez avec un pinceau ou au doigt en couche assez épaisse. Vous le laissez pénétrer une bonne demi-heure. Alors moi je laisse 1 heure, hein. Je sais que ma peau est quasiment presque toute absorbée. Et je prends un mouchoir en papier ou alors une petite lingette lavable et j'enlève l'excédent. Et après je viens masser, je viens faire pénétrer le produit. Donc là ça donne vraiment un coup de fouet. Le lendemain matin vous avez la peau repulpée, bien nourrie. Ou alors vous le mettez en couche fine, en masque pour la nuit et vous le rincez au réveil. Donc vraiment très très bien, très très agréablement surpris. Et alors ça, c'est le kiff de ce lot. C'est un beurre, un baume corps fondant pour le corps. Donc pour les peaux normales à sèche, c'est pareil. Il est hypoallergénique, on a un gros pot de 200 ml. Donc ça se présente comme ceci, donc il en faut peu, c'est très très gourmand. Donc moi ce que je fais, c'est que je viens en mettre et je viens faire chauffer la matière. Et franchement, c'est ultra gourmand. Alors si vous avez la peau sèche, le lendemain matin, vous avez la peau super bien hydratée et hydratée pour 2 jours sans problème. Donc ça, je vous recommande cette gamme-là, les produits de la gamme Saint-Gervais Montblanc. C'est vraiment une très très belle découverte et je pense que c'est une belle découverte pour 2019. Ensuite, en niveau crème, je l'ai reçue, je crois, dans une Birchbox. Birchbox de décembre que je n'ai jamais reçue. Donc je pense qu'avec les grèves, la poste, etc., ça a été une catastrophe. Je l'ai paumée, je ne sais pas où elle est, je pense que je la recevrai jamais. C'était de la marque Dermagor, c'est Atopical Gel Crème pour toute la famille pour les peaux sèches à atopiques. Alors, moi je l'ai utilisé essentiellement pour le corps. J'avais de l'eczéma au niveau du cou, ici. J'en avais sur le ventre, en dessous la poitrine. Enfin, j'avais un petit peu d'eczéma un peu partout ce mois-ci. J'ai eu un mois de décembre très compliqué pour plein de raisons diverses que je n'étalerai pas sur YouTube. Et bien, cette petite chose-là m'a sauvé la vie. Franchement, l'eczéma est parti, etc. Parce que je suis allée à la pharmacie. La pharmacie voulait me donner des choses à base de cortisone. Et je me suis dit, ah, encore de la cortisone. Donc, je me suis rappelée, j'avais eu ça dans une Birchbox. Et franchement, top, top, top. Donc, ça, j'essaierai de vous trouver le lien de la marque Dermacor, le Atopic Calm. Franchement, très, très bien. J'ai intégré ce soin. Alors, il y a sûrement quelque chose que je dois pas faire parce que à chaque fois le truc il se barre là en dessous. Donc je sais pas d'ailleurs pourquoi. Ça se trouve, faut le tourner ou je ne sais pas. Ou il y a peut-être quelque chose à faire, j'en sais rien, pour que ça qui reste à l'intérieur. En fait, c'est de la marque Clarins. Vous savez que j'aime beaucoup les produits Clarins. Donc c'est une nouveauté, c'est le Plant Gold, l'or des plantes, émulsion en huile nutri-revitalisante pour le visage, 100% d'origine naturelle. Donc c'est un parfum aux extraits de plantes, aux huiles essentielles à l'intérieur. Donc il se présente comme ceci. À l'intérieur, vous avez deux phases. Vous avez une phase huileuse et une phase crémeuse. Quand vous appuyez, ça vous fait sur la peau, ça vous fait un petit mélange, une émulsion. Donc vous venez la chauffer dans le visage et vous venez l'utiliser sur le visage. Alors moi, ça fait quoi? Moi, ouais, une semaine que je l'utilise.
Ma peau est bien bien nourrie le soir, le matin elle est bien rebondie. Donc je vous en reparlerai je pense quand il sera terminé puisque je l'utilise le soir. Donc à voir ce que ça donne, mais pour l'instant c'est Aroma Phytocare. Donc certes c'est un produit qui n'est pas donné, mais s'il est efficace. Donc c'est des huiles végétales de noisette, de macadamia, de pépins de raisin. Il y a un extrait d'orchidée bleue, d'huile essentielle de patchouli. Et il y a à l'intérieur aussi. Donc voilà, c'est des huiles essentielles. Donc je vous en dirai un petit peu plus des nouvelles. Donc là, ça fait une petite semaine que j'utilise. Et ma foi. Voilà, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi ça. Il doit y avoir quelque chose à faire. Alors, il faut faire, je regarde sur internet parce que chaque fois, il se barre le truc. Donc je ne sais pas si c'est normal. Si vous avez cette crème-là, dites-moi en commentaire. Je serais ravie de vous lire. Et ensuite, pour finir en matière de soins, je vois, j'ai plus que ça devant moi. C'est cette huile démaquillante. Je vous en avais parlé dans un vlog. Vous avez fait une petite démonstration dans le dernier vlog. Donc j'ai testé que celles-ci, elles sont en 3. Donc je pense que je testerai les autres quand même. C'est l'huile de pépins de raisin naturel pour les peaux sensibles, donc de Nivea. Elle se transforme en huile, en lait quand vous l'émulsionnez avec un petit peu d'eau. C'est un petit peu laiteux. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise, même pour nettoyer, démaquiller les yeux. Parce que voilà, le soir, on se couche tard en ce moment avec les réveillons, etc. Et eh bien, franchement, elle démaquille très très bien les yeux. Franchement, au poil. Et je vous la recommande à 10 000%, notamment celle-ci qui est pour les peaux sensibles. Donc vraiment, en plus, elle n'est pas chère. Je crois qu'elle est à 4,50 €. Donc ça en grande surface. Donc ensuite on va passer au parfum. Ce mois-ci j'ai essentiellement mis, hormis quand on sortait, j'ai mis le Hypnotique Poison de chez Dior. Et j'ai mis le Interdit de chez Givenchy, pareil quand on sortait. Mais sinon j'ai essentiellement porté les parfums NOX. Donc d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc celui-ci c'est le 418. Mon code promo est valable toute l'année. Il vous offre moins 10% sur tout le site. Donc je vous le remets ici. Celui-ci donc c'est le, comme je vous l'ai dit, 418, et c'est le dupe de La Vie est Belle. Donc le principe de ces parfums, si vous ne les connaissez pas encore, ce sont des parfums qui sont dans les mêmes notes olfactives mais qui sont très très proches des parfums de grande marque, et ils sont pas chers du tout. Donc celui-ci je crois que c'était le, c'est un 50 ml celui-ci, donc je crois qu'il vaut 16 €. Donc franchement, et avec les moins 10%, bah, ça fait un petit parfum à 15 €. Donc ça c'est top. Donc après je pense qu'on va passer au make-up. Donc par rapport à ce que je porte aujourd'hui, on finira par les palettes. On va commencer peut-être par tout ce qui est pour le fond de teint. Donc le fond de teint, j'ai essentiellement porté deux fonds de teint. Celui-ci que vous verrez dans le prochain chat make-up, parce que j'en parlerai dans le prochain chat make-up. Enfin, je vais déjà en parler ici et vous le verrez en action dans le prochain chat make-up, c'est-à-dire vendredi. C'est celui-ci de chez Juvia's Place. C'est le Velvety Matte Foundation I Am a Magic. Un mat velouté fond de teint, c'est une merveille, franchement c'est une merveille. Il n'en faut pas beaucoup, c'est ultra couvrant, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je le repoudre, parce que moi je suis obligée de repoudrer les fonds de teint vers 4-5 heures. Et franchement, je l'ai porté le soir du réveillon de Noël. Donc je me suis maquillée à 17 h, on s'est couché à 3 h du matin. Et voilà, j'aurais pu partir en boîte sans problème. Mais franchement, très très bien. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus dans le tiroir beauté. Et le suivant que j'attrape, c'est celui-ci que j'ai beaucoup porté aussi. Il est quasiment terminé. C'est le close-up de chez Nabla que vous pouvez retrouver en promo sur le site Colors and Makeup. Donc je vous mettrai, il est tout le temps en promo. Donc franchement, il est très très bien ce fond de teint close-up. Pour les poudres, c'est essentiellement les mêmes que d'habitude quand réintégrerai. Quand j'en mettrai une nouvelle, eh bien, je vous la présenterai. Donc, ensuite, on va passer à ce qui est concealer. C'est pareil, c'est toujours la même chose. On va passer un petit peu à ce qui est mascara et les produits sourcils pour ce mois-ci. Alors, pour les produits, pour le mascara, j'en ai utilisé deux ce mois-ci, notamment celui-ci. Une vraiment très, très belle découverte. Je vous l'ai déjà dit, je pense, une ou deux vidéos. C'est celui de chez Dossé, je crois que ça se prononce comme ça, Dossé Cosmétique. C'est le Punk Volumizer Mascara. Alors il a une très très grosse brosse. C'est celui que j'ai eu dans le calendrier Glossy Box. Et franchement, il est top. Alors ça, je pense que celui-ci, il va être dans mon top 5 des mascaras.
Et ensuite celui-ci, je vous avais dit que je vous ferai une petite update. C'est le Bambi Eyes False Lash, donc fossile, de chez L'Oréal qui vient de sortir. Donc qui se présente comme ceci au niveau de la brosse. Donc c'est pas du tout la même brosse. Ce sont des tout petits picots, mais elle attrape énormément. Et elle fait vraiment de très très jolis cils aussi. Donc vraiment j'ai utilisé en fait ces deux-là, soit en combo, soit l'un ou l'autre, soit mais vraiment très très bien. Pour les sourcils, toujours les produits de chez Makeup Revolution. D'ailleurs, je vous ai fait dans mon top 10 déjà. Édition numéro 1, puisqu'il y en aura d'autres, je vous le remets ici en petite fiche. Il y en aura d'autres. Je vous ai fait déjà 10 tops de chez Makeup Revolution. Donc je vais utiliser celui-ci qui est le Dark Brown Brow Pencil, il me semble, avec une mine. Elle est là, mais ultra ultra fine. Hein, comme vous pouvez voir, c'est très très fin. Et très très précis, on peut quasiment dessiner du poil à poil. Et par dessus, bah, il y a quasiment tout effacé. J'ai mis le quasiment principalement tout le mois le Benefit, le Brow Fiber Gel. C'est en teinte numéro 3. Et ce que j'aime beaucoup, c'est en fait c'est la taille de la brosse. Je trouve que la taille est géniale. Donc en fait j'en ai un de chez Action. Et je trempe dans celui de chez Action. Et quand celui-là sera terminé. Et pour garder la brosse, parce qu'elle est vraiment top, top, top. Donc ça, les lèvres, on fera après. Après, au niveau de l'highlighter, ce mois-ci, j'en ai utilisé pas mal. Ce mois-ci, j'ai quasiment utilisé que ça pour faire ma base d'highlighter. C'est-à-dire, vous savez que je mets toujours une base crème ou liquide d'abord en highlighter pour pouvoir fixer mon highlighter. Et j'ai fait beaucoup de tri, j'ai mis beaucoup de choses à vendre sur Vinted. Donc il reste encore pas mal de petites choses. Hein. N'hésitez pas à les voir, c'est des petits prix. Et il y a même des produits neufs parce qu'il y a des choses que j'ai en doublon et des choses que je reçois que j'utilise pas. Donc je les vends quasiment à moitié prix par rapport aux produits du commerce. Donc n'hésitez pas à aller voir. Hein. Moi ça me débarrasse et puis moi ça me permet de racheter d'autres produits avec ces petits sous là. Donc comme je vous le disais, j'ai refait pas mal de tri dans mes highlighters. Il y en a pas mal en vente. Là maintenant tout ce que j'ai, je garde. J'ai retrouvé cette chose là et je me suis dit ça, je vais le garder. Et en fait ce sont des highlighters crème de chez ELF. Ça, je ne sais pas si ça existe encore. Vous en avez 4. Donc moi, je mélange tout et je viens appliquer avec mon éponge. Donc ça, c'est une éponge de chez Action que je suis en train de tester. Donc je vous en reparlerai bientôt dans une vidéo spéciale Make-up Action. Donc il y a 4 teintes. C'est le Sheer Sunrise. Donc je ne sais pas si ça existe encore. Mais vraiment, voilà, je vais le finir comme ça. Et ensuite, au niveau highlighter, j'ai beaucoup utilisé ces 3 palettes. Donc la Pixie, je ne sais pas si on peut encore la trouver. Peut-être sur le site de Pixie directement. C'est la Rash Love. Franchement, c'est les highlighters. Donc principalement les 3 qui sont ici. Et celui-ci, je m'en sers pour le coin de l'œil. L'autre est un petit peu trop foncé. Donc ça en fard à paupières. Ça, mais alors, ils sont splendides. Splendides. Cette palette-ci également de chez Soft Nail, elle est vraiment très très bien. Enfin, Soft Nail Makeup Revolution, c'est une palette que d'highlighter. Et on a vraiment toutes les teintes qu'il vous faut. Si vous en avez une à avoir, c'est celle-ci qu'il vous faut également. Elle est vraiment très bien. Et également celle-ci qui était dans la collection Noël, il me semble. C'était dans la collection Rose. Donc celle-ci, c'est la Rose Quartz. Il y en a une qui est un petit peu plus rosée. Celle-là, elle est un petit peu plus dorée. C'est dans la collection Precious Stone. Ensuite, en matière de blush et de contouring, donc j'ai fini mon duo contouring que je vous ai présenté dans ma vidéo Top Makeup Revolution. Donc j'ai pris celui-ci maintenant de chez Focalure. Donc c'est pareil, c'est un duo où à l'intérieur vous avez un bronzer et un highlighter. L'highlighter qui est très très joli, il est doré, il est vraiment très très beau, il est très 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 joli. Mais le bronzer, voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est vraiment parfait. Donc, c'était la teinte 03, il me semble. C'est le Ipanema Sun et Champagne Pop. Donc, vraiment très sympa. En plus, le packaging est super joli. Donc, ça, vous pouvez le retrouver sur AliExpress ou sur le site de Focalure sans problème. Et pour les petits blushs ce mois-ci, bah, j'ai utilisé des petits blushs de chez You Are Cosmetics. Ah ouais. Qui se présente comme ceci. Et oui, aussi les petits highlighters liquides. Je ne sais plus où c'est que j'en ai un. De chez You Are Cosmetics. Bon, je vous les présenterai le mois prochain, c'est pas grave. Donc j'ai utilisé les petits blushs. Donc celui-ci, c'est la teinte pastel pink. Donc il y en a un autre que j'ai utilisé qui est un petit peu plus rosé. Donc voilà. Ils sont vraiment bien. Ils sont à un tout petit prix, ces blushs-là. Ils sont vraiment top.
Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est teint, on va dire. Je voulais aussi faire un petit aparté par rapport aux pinceaux de chez, puisque je les ai utilisés aujourd'hui pour la première fois. Je vous les avais présentés dans un vlog, les pinceaux de chez Coastal Sense. Alors franchement, ils sont top, vraiment, notamment ceux, les deux en bois, là, ils attrapent vachement bien les fards. Donc je pense que ceux-là, je vais les garder pour les fards, pour appliquer les fards en aplat, ils sont vraiment bien. C'est le S03, S02. Et franchement, bah alors super super étonnée, vraiment ravie donc de ces petits pinceaux. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos au niveau des pinceaux. Pour les lèvres, ce mois-ci, j'ai utilisé pas mal de petites choses et je m'aperçois que je mets beaucoup 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 de gloss par-dessus mes rouges à lèvres mat. Pour ce que je porte aujourd'hui, c'est des petites nouveautés de chez Action. Donc ce sont des rouges à lèvres qui ressemblent un petit peu au L'Oréal, des rouges à lèvres mat métalliques, alors de la marque Makeup. Ils sont très asséchants, donc obligé de mettre un gloss par-dessus. J'ai mis par-dessus un petit gloss de chez Jeffree Star Morphe Brush, qui est celui-ci, qui est la teinte Living for It. Donc, je ne sais pas s'ils existent encore. Donc, si c'est le cas, je vous les mettrai en barre d'infos. Ensuite, j'ai beaucoup porté celui-ci de chez Anastasia Beverly, qui est le Hudson. Alors, je vais vous faire un petit peu de swatch là quand même. Hein. Qui est l'Hudson, qui existe toujours, qui a un genre de marronné. Et par-dessus, je suis venue mettre très souvent celui-ci de chez Stila, qui est le Kitten, que vous pouvez retrouver sur, sur Beauty Bay, il me semble. Donc, c'est un gloss qui est un petit peu dans les mêmes tons. Et les deux ensemble, ça vous fait une bouche, mais alors pulpeuse, à souhait. Ensuite, j'ai porté beaucoup celui-ci en comme ça tout seul. C'est un gloss de chez Morphe Brush. Donc, c'est la teinte Vibes, c'est ça. Donc, c'est un gloss. C'est celui que j'ai porté pour le réveillon de Noël. C'est celui que j'ai porté dans plusieurs vidéos, dans plusieurs tous les jours. Et ils sont vraiment très bien. Ils sont très agréables à porter. J'avais acheté un kit comme ça sur Morphe Brush. S'ils existent toujours, c'est pareil. Je vous mets ça en barre d'infos. J'ai beaucoup porté aussi par-dessus pas mal de rouge à lèvres. Celui-ci de chez NYX. C'est le Shimmer Down. C'est un lip vape pour les lèvres. Donc c'est un rouge, c'est un gloss en fait, mais qui a plein de reflets. Vous voyez, il a plein de reflets, il est là, juste ici. Donc ça permet de rehausser votre rouge à lèvres. Le rouge à lèvres que j'aime beaucoup, ceux-là, c'est ce, oulala, c'est pas facile à dire, de chez SLA Paris, Serge-Louis Alvarez, il me semble. C'est les Lip Crush, donc ils ont des prénoms, ils ont des noms d'hommes. Bon, celui-ci, c'est le David. Et c'est un rouge, mais qui tire un petit peu vers les orangés, vous voyez. Et il est vraiment très, très beau. Celui que j'ai porté sur plusieurs jours, c'est les petits... D'ailleurs, les marques Jacob, comme ça, il y en a certains qui sont à vendre dans les kits sur Vinted. Celui-ci, c'est la teinte Slow Burn. Donc, c'est un nude, mais un nude un petit peu marronné. Entre le rose et le marronné, il est vraiment très joli. Et ils tiennent du tonnerre, hein. Vous n'avez même pas besoin de faire de retouches de la journée, ils tiennent super bien ces rouges à lèvres. Et pour finir en matière de rouge à lèvres, celui-ci, je pense que je vais en acheter d'autres des comme ça. C'est les nouveaux de chez Sephora, c'est les duochrome. Donc celui-ci, c'est une teinte qui est un peu spécifique parce qu'elle est très très changeante au niveau de la couleur puisque c'est un duochrome. Donc des fois on le voit violet, des fois on la voit verte. Et mais quand on l'a sur les lèvres, je trouve qu'il tient vraiment quand même vers le violet. Et ils sont confortables, vraiment très sympas, très très confortables. Donc on va passer à ce qui est pour les yeux. Alors comme je vous l'ai dit, pour les yeux, ça c'est une découverte que j'ai fait. Je crois que c'est dans un blog ou dans un haul, je ne sais plus. Franchement, ça c'est top. Ce sont les glitter gels de chez Urban Decay. Qui sont des gels pour les yeux ou pour la face ou pour le corps. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. En fait, il y a déjà une colle qui est à l'intérieur. Vous avez juste à les appliquer soit au doigt, soit au pinceau, soit à l'éponge. Alors, j'en ai deux. J'ai deux teintes. Donc, j'ai celle-ci, la Saturday Stardust. J'ai du mal avec l'anglais. Hein. Et j'en ai une qui est dans les tons bleus. Donc là, les paillettes, on a différentes tailles de paillettes. On a des fines, des grosses. Et franchement, j'avais fait un make-up avec. Génial. Donc après, en matière de palette, donc avec celle que je me suis maquillée aujourd'hui, c'est celle-ci donc de chez Coastal Sense, qui est la Summer Breeze. Donc je pense que je vais l'utiliser sur plusieurs jours parce que j'ai hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc j'ai principalement utilisé aujourd'hui toute la rangée ici, qui est rose, et le fard beige, parce qu'on a un fard beige. C'est un petit peu poudreux au niveau de ce fard-ci, mais sinon,
pas mal du tout, c'est pas mal pigmenté. J'ai utilisé ça avec les pinceaux et vraiment, je suis surprise. Ensuite, en matière de palette, j'ai utilisé celle-ci, donc pour la plupart, peut-être qu'une fois, il y en a certaines plus de fois. La Tribe de chez Juvia's Place, comme je vous l'ai dit, ces palettes, ce sont des merveilles. Je pense que je vous montrerai dans un vlog peut-être toutes celles que j'ai de chez Juvia's. Alors c'est une merveille ces palettes, les fards sont quand même assez gros, je sais pas si vous pouvez voir un petit peu par rapport à mon doigt. Les fards sont ultra pigmentés, c'est ultra... Franchement elles sont à tout petit prix ces palettes. Vous pouvez les retrouver sur le site de Beauty Bay et sur le site de Secarly Beauty. Franchement ce sont des palettes, des merveilles. Ensuite celle-ci je me suis maquillée qu'une fois avec la Norvina 2. Donc pour l'instant j'ai fait qu'un seul make-up avec, je crois que c'était un make-up dans les tons roses puisque je vois que le rose est... c'est la 2 ou c'est la 1 ça? Non, c'est la 2, c'est ça. Hein, volume 2, oui. Donc j'attends la volume 3 qu'elle soit en vente en France, mais je crois qu'elle va pas y être. Donc il va falloir que je la commande sur Anastasia directement. Les couleurs sont magnifiques. Donc ça, je pense que sur une semaine, je vais la creuser. Ça, je l'ai creusée celle-ci. Je me suis maquillée quasiment ouais, au moins 2 semaines avec. C'est la Morphe Brush, la 35M. Le nom, c'est la Boss Mood. Franchement, elle est magnifique. Il y a de quoi faire dans les tons orangés. Vous avez de quoi faire dans les tons violets, dans les tons verts, dans les tons un petit peu plus nude, dans les tons marrons, dans les tons rouges. Franchement, cette palette, c'est une merveille. Je vous la conseille à 1000%. Alors, elle est un petit peu out of stock partout. Je vous l'ai trouvée sur Pretty Little Thing. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que là, elle est encore disponible. Donc, il faut foncer. Cette palette, c'est pareil, elle m'a suivi tout le mois et elle me suit tout le temps, tout le temps. C'est une palette qu'il faut avoir chez Makeup Revolution. C'est la Maxi Reloaded palette, ce sont que des fards mat. Donc ce qui permet d'avoir des fards de transition. Des fois dans des palettes, vous avez un fard et pour estomper au-dessus, vous n'avez pas ce qu'il faut. Donc je l'ai utilisé aussi pour aujourd'hui. Et franchement, elle est vraiment géniale. Regardez le nombre de couleurs qu'il y a, de déclinaisons qu'il y a. Donc des fois, j'ai une idée de make-up avec une palette. Et puis j'ai pas en fait la transition qu'il me faut. Et là, il y a tout ce qu'il faut. Donc franchement, ça c'est pareil. C'est une palette à avoir. Ensuite, dans les tons bleus, je m'aperçois que j'ai utilisé deux petites palettes. Enfin, deux petites palettes. Deux grandes palettes. On a celle-ci où j'ai fait un make-up dans les tons bleus. Hein, parce que vu la palette, voilà, c'est dans les tons bleus. Franchement, elle est top. Je vous la conseille. Je vous en ai parlé dans les 10 top volume 1 de Makeup Revolution. Voilà, c'est les palettes, les Flawless, faut les avoir. C'est des palettes à avoir, ça. Ça, la petite Huda, d'ailleurs, j'en ai une qui est un petit peu un dupe. Je vous ferai sûrement une vidéo. Je vais sûrement les tester, faire un make-up avec et puis vous les swatcher. Ou dans un vlog, je ne sais pas. Donc celle-ci, c'est la Saphir Obsession donc de Huda Beauty. Franchement, elle est très bien. J'ai utilisé quasiment tous les fards. Les fards sont ultra pigmentés, ultra... Ça, c'est dommage qu'elles soient aussi chères, mais elles sont vraiment très très bien. Ensuite, pour finir cette vidéo, ces deux palettes-là de la collection Noël, je voulais vous refaire un point dessus parce que vous êtes plusieurs à me demander si ça vaut le coup, si elles sont bien, etc. Alors, je suis très mitigée sur ces palettes. C'est pas forcément des palettes que je conseillerais à des débutantes. Tout simplement parce que, je vais vous montrer pourquoi, les fards mat sont très bien, les fards irisés sont très bien également. Donc, celle-ci, c'est la Ruby. Mais les fards qui sont en centrale ici sont très difficiles à travailler. Faut les travailler soit au doigt, faut les travailler soit au pinceau. Mais alors c'est très compliqué, faut que le pinceau soit humide. Donc le mieux c'est de les travailler au doigt, mais on n'arrive pas à avoir forcément l'intensité qu'on veut. Donc voilà, je trouve qu'elles sont quand même difficiles à travailler, notamment pour la rangée du milieu. Donc voilà, si vous n'avez pas trop l'habitude de vous maquiller ou que vous n'avez pas l'habitude de travailler ce type de fard, c'est des palettes que je ne vous conseille pas forcément. Par contre, si vous avez l'habitude de travailler ces fards, je vous les conseille. Donc pareil pour le... Voilà, même système. Je trouve que la rangée du milieu n'est pas... Voilà, c'est pas forcément des palettes que je vous recommanderais si vous êtes débutante. Par contre, si vous adorez le make-up, que vous n'êtes pas novice, ça vous pouvez y aller les yeux fermés. Et la petite dernière que j'allais oublier, c'est la Fundamental Reloaded. Donc ça, c'est pareil. Je vous en reparlerai bientôt dans une autre vidéo. C'est vraiment des palettes à tout petit prix. Elles sont à 4,99 ou 5,99. Elles sont vraiment top. Donc, si j'arrive à l'ouvrir... Voilà, elle est vraiment top, top, top. Donc, elles sont vraiment géniales. Elles sont bien pigmentées. Elles se travaillent bien. Elles ne sont pas poudreuses. Enfin, franchement, si vous avez un petit budget, ces palettes-là, ça peut être sympa aussi. Voilà.
Et ben on arrive à la fin, les gars. Voilà un petit peu pour tout ce que j'ai utilisé pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à mettre en commentaire est-ce que vous avez découvert vos coups de cœur pour ce mois de décembre également. Et en cette fin d'année, puisqu'aujourd'hui, au moment où vous voyez la vidéo, nous sommes le 31. Aujourd'hui où je filme, hein, parce que là je filme le matin pour le soir. Nous sommes le 31 janvier, donc je vous souhaite à tous et toutes un très bon réveillon et une très bonne année. On se revoit donc l'année prochaine, vendredi, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.